J'ai retenu comme passage de la Bible ce texte qui met en scène Jésus, les disciples, des enfants et des parents. Et c'est donc dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, que je vais vous lire les versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus des petits-enfants pour qu'il les touche. Mais les disciples leur firent des reproches. Alors Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les embrassa, il les bénit en leur imposant les mains. Seigneur, ta parole est vérité, alors sanctifie-nous par la vérité. Amen. Avant de nous interroger sur ce texte, je vous invite à vous lever pour chanter dans votre recueil Louanges et prières le cantique 202, qui sera une façon pour nous d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit de ces familles et pour les baptêmes qui, aujourd'hui, ont été célébrés.
Père, nous pouvons t'appeler ainsi parce que tu nous as parlé, parce que des croyants nous ont transmis leurs expériences et leurs témoignages. Alors parfois tu nous parais lointain, silencieux, mais nous avons entendu parler de toi et nous savons que nous sommes importants pour toi. Nous te remercions d'avoir comblé toi-même la distance qui nous sépare de toi par Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans ce livre que nous appelons la Bible. Tu nous invites à redécouvrir le trésor que tu y as mis pour chacun d'entre nous. Fais-nous maintenant cette grâce. Chers frères et sœurs, la question se pose. En quoi les enfants sont-ils une image du royaume de Dieu? En quoi les enfants sont-ils un modèle de foi, de croyance? Selon la sagesse populaire, il paraît que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Et vraisemblablement, ceux qui se fient à ce dicton vont souvent jusqu'à penser que les enfants seraient pureté absolue, innocence totale. Et je crois que nous l'avons encore entendu il y a peu de temps. Ben voyons, c'est bien connu. Les enfants ne font jamais de caprices, ils ne mettent jamais en place des stratégies pour obtenir ce qui leur fait plaisir. Ils ne font jamais, au grand jamais, de chantage affectif pour parvenir à leur but. Ils ne se mettent jamais en colère non plus, bien entendu. Cette idée d'une pureté originelle, en quelque sorte, pourrait faire penser que les enfants croient tout sans poser jamais de questions. Et c'est la raison pour laquelle ils seraient des modèles de foi. Ce serait un peu l'obéissance aveugle, comme si un enfant croyait tout, comme cela. Comme s'il ne demandait jamais à nouveau « qu'est-ce que ceci ? Comment on appelle cela ?
et à plusieurs personnes différentes pour comparer les réponses. Et qu'est-ce que ceci? Et c'est quoi ça? Et puis, évidemment, qu'est-ce que c'est que cette fameuse bouteille de lait? L'enfant, s'il est peut-être un peu plus crédule que les adultes, n'en est pas moins pourtant un fervent partisan du doute. Le doute qui prend le temps de vérifier que ce qu'on lui dit est véridique, parce qu'un enfant ne prend pas tout pour argent comptant, il a aussi des critères de vérification. Alors, si ce n'est pas du côté de la pureté et de l'innocence originelle qu'il faut chercher ce qui caractérise les enfants, il me semble que nous pouvons nous orienter vers une caractéristique qui va se développer en trois aspects, le fait que les enfants sont capables de tout. D'abord capables d'accueillir de nouveaux savoirs. Parce qu'un enfant qui vient de naître est capable d'apprendre n'importe quelle langue, par exemple. S'il naît en France, d'une mère vietnamienne, d'un père hongrois, et qu'on lui parle espagnol tout le temps, eh bien, il saura parler espagnol, parce que cela n'est pas génétique. Un enfant n'est pas déterminé à un parcours de vie unique au moment de sa naissance. Il peut encore développer un sens scientifique, il peut encore développer une sensibilité artistique, il peut aussi encore devenir un véritable voyou. Tout lui est possible. À sa naissance, un enfant ne sait pas tout. Contrairement à ce conte que vous connaissez peut-être et qui prétend qu'au moment où il naît, un enfant est pris en charge par Dieu lui-même qui lui recommande de se taire parce qu'il sait tout, y compris sur Dieu, et qui, pour lui imposer le silence, pose délicatement son doigt sur la bouche, ce qui créerait cette petite dépression que nous avons toutes et tous entre le nez et la lèvre supérieure, et comme si cela ne suffisait pas, il lui effacerait aussi la mémoire, dit ce conte. Mais un enfant ne sait pas tout, en fait, au moment où il naît. Il ne sait pas tout, mais il est capable d'apprendre. Il est capable de faire sien de nouveaux savoirs. Et il peut encore changer considérablement. Il n'est pas enfermé dans une image fixe, dans une image définitive. Les connexions entre ses neurones, les fameuses synapses, ne sont pas encore aussi figées qu'elles le sont pour les adultes qui, eux, ont toutes les peines du monde pour apprendre de nouveaux langages. Ainsi, de même qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, et vous connaissez la suite, il est plus facile pour un enfant d'être dans le royaume de Dieu qu'à un adulte qui campe sur son savoir, à un adulte imbu de sa personne, de ses connaissances et de ses petites richesses personnelles. Nous le voyons bien avec les disciples qui font barrage devant les gens qui veulent amener auprès de Jésus leur enfant, des enfants qui représentent la nouveauté, des enfants qui représentent quelque chose qui émerge, qui jaillit. Eh bien, nous découvrons qu'il y a des adultes qui veulent garder jalousement ce qu'ils possèdent. En l'occurrence, dans ce passage biblique, les disciples pensent pouvoir posséder Jésus, posséder ses bénédictions, considérant peut-être qu'il a conclu une sorte de clause d'exclusivité avec eux. Et ces adultes, du coup, risquent de se contenter de ce qu'ils ont. Et c'est ce qu'on appelle, en langage technique, la thésaurisation. On se contente de vivre sur son capital, sans chercher à le faire fructifier, sans chercher à le renouveler, sans chercher à le faire s'épanouir. Et Jésus, en reprochant à ses disciples cette attitude bien peu généreuse, souligne que la vie, au contraire, est faite de nouveautés, de nouvelles relations,
de nouvelles questions, de nouveaux visages, de renouvellement, de résurrection. Les enfants sont une belle image de la vie selon Dieu, d'une vie qui recommande les questionnements nouveaux, qui encourage à renouveler ses centres d'intérêt et à ne pas s'en tenir à son quant à soi. Alors, outre le fait qu'il est capable d'apprendre de nouvelles choses, il y a un deuxième aspect qui rend l'enfant comme une sorte de modèle de croyant. C'est qu'un enfant dépend des autres. Un petit enfant ne prépare pas son repas tout seul. Il ne choisit pas son rythme de vie. Il ne choisit pas les vêtements qu'il va porter dans la journée. Il ne choisit pas ses parents non plus, d'ailleurs. Un petit homme, d'ailleurs, est a priori le seul être vivant qui n'est pas capable de s'en sortir tout seul s'il n'est pas pris en charge par des plus grands. Laissez un petit enfant seul et vous ne le retrouverez pas. Un enfant est extrêmement dépendant de son entourage. Et du coup, cela le place dans une situation où nécessairement, il accueille la vie qu'on lui organise. Même si, bien sûr, il essaie parfois de se rebeller, histoire d'affermir et d'affirmer son identité. Alors, il est vrai que le travail des parents est de se débrouiller pour que les enfants, un jour, puissent aller leur propre chemin, puissent se débrouiller seuls. Et il est vrai qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il devient plus autonome, moins dépendant. L'enfant saura faire lui-même ses lacets de chaussures en entrant à l'école primaire. Il saura lire et écrire en entrant au collège. Il saura faire cuire des pâtes sans qu'elles collent en entrant au lycée. Il saura conduire peut-être en commençant ses études supérieures. Il aura intérêt à savoir remplir sa feuille d'impôt en entrant dans la vie active. Mais le jeune enfant nous rappelle que tout ne dépend pas de nous dans la vie. Qu'une part importante, si ce n'est essentielle, consiste dans ce que nous recevons des autres personnes et dans cette perspective chrétienne qui est la nôtre, de Dieu. Notez bien que, selon Jésus, le propre du royaume de Dieu est d'être reçu. On ne part pas à la conquête du royaume de Dieu. Ce n'est pas comme dans les jeux vidéo où il faut conquérir sa place au soleil, comme dans ces romans de chevaliers où le héros part en quête du château qui retient la princesse qu'il faut délivrer, ou dans les feuilletons politiques où l'on part à la conquête d'un nouveau mandat électoral. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui se gagne, qui s'achète ou qui se conquiert. Le royaume de Dieu se reçoit, comme l'enfant reçoit la vie en cadeau, comme l'enfant reçoit sa chambre, son lit, ses jouets, ses repas, ses vêtements, ses frères et sœurs, ses loisirs, ses réprimandes, les bons conseils que ses parents lui prodiguent pour l'aider à mieux vivre. La vie du petit enfant est marquée par le signe de l'accueil. Et c'est ce qui souvent manque le plus cruellement aux adultes que nous sommes, être capables d'accueillir ce qui nous est offert. Et il suffit en vérité de regarder les enquêtes qui sont menées sur les croyances aujourd'hui, pour constater que les Français, par exemple, ont toutes les peines du monde à recevoir l'héritage spirituel de leurs anciens. Chacun y va de sa petite cuisine religieuse en général. On remplace la résurrection par la réincarnation, on remplace le culte dominical par la grâce matinée ou les courses,
Et bien sûr, on remplace la communauté ecclésiale, composée de personnes que nous n'avons pas choisies, par le cercle des amis qui, eux, sont triés sur le volet. Un enfant ne peut pas faire tous ces choix-là. Il accueille. Il accueille ce que les parents lui ont préparé. Il accueille ce que ses parents, jour après jour, construisent pour qu'il puisse grandir en sagesse, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et c'est ainsi que les enfants sont de plein pied, en vérité, dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans ce monde espéré par Dieu, et non la vie que l'on se construit sur mesure. Et nous ferions bien de réfléchir à ceci. Ce qui nous va comme un gant, à un moment donné, et que nous ne quittons plus jamais, cela a un nom. Cela s'appelle un cercueil. Et voilà pourquoi il faut se méfier des vies sur mesure. Parce que cela devient rapidement un carcan, dont nous n'avons pas toujours conscience, mais qui arrête notre vie en pleine lancée. Et cela, je crois, nous conduit au troisième aspect qui caractérise les enfants, et c'est l'audace. Un enfant est capable d'audace. Un enfant est capable d'audace parce qu'il n'est pas encore prisonnier de tous ces carcans qui risquent un jour de brider son imagination, qui risquent de réfréner sa créativité. Dans le domaine de la peinture, par exemple, un enfant est capable de couleurs inédites, de nouveaux chromatismes. Quand il se promène, nous en avons tous fait l'expérience, un enfant prend des chemins qui sont vraiment inattendus. Un parapet, ce si joli massif de fleurs, les flaques d'eau. L'enfant est capable d'une audace qui parfois confine à la prise de risque, dont bien souvent les adultes ne sont plus capables, parce qu'ils s'en tiennent aux conventions, ils s'en tiennent à ce qui est conventionnel. L'audace, c'est ce trait qui caractérise les parents qui amènent les enfants à Jésus pour qu'ils les touchent, à la manière des amis de cet homme paralysé dont on parle dans un autre passage de l'Évangile, et qui feront passer leur ami par le toit qu'ils auront démonté pour rejoindre Jésus, qui, a priori, était inaccessible au milieu d'une foule dense, impénétrable. Et ce sont ces audaces successives qui permettent à un enfant de grandir. Lorsqu'il ose prendre tout seul sa cuillère pour manger, il en met peut-être un peu partout, mais il vient de faire un pas énorme en direction de la vie d'adulte. Avoir l'audace d'ouvrir une Bible alors qu'on n'a pas encore 5 ans. Cela parce qu'on refuse le conformisme. Parce que l'audace nous rend plus grands que ce que nous serions si nous en restions toujours à notre système de connaissances. Les plus grands artistes font preuve d'audace en apportant une part personnelle à leur discipline, plutôt qu'en copiant ce qui s'est toujours fait jusque-là. Les uns appellent cela un trait de génie, d'autres parlent d'inspiration. Nous pouvons y voir la véritable trace que Dieu laisse sur notre chemin, plutôt que cette petite dépression au sommet de notre lèvre supérieure. Oui, cette trace que Dieu laisse lorsqu'il vient croiser notre route. Et c'est la part que nous laissons à Dieu pour hisser notre vie hors du commun, pour laisser Dieu nous attirer à lui, comme ses parents qui sont attirés et qui attirent leurs enfants vers Jésus. Et c'est aussi ce que vous avez fait ce matin en venant avec vos enfants. Laissez un peu de place à Dieu pour qu'il nous fasse entrer dans cette terre promise, dans ce pays où nous pouvons vivre selon toute la plénitude des moyens dont il nous rend capables. Le petit enfant
le petit enfant ne cesse de grandir. Il ne cesse de connaître plus grand et plus grand encore. Et quand cette audace ne vient pas de l'enfant lui-même, alors il faut qu'elle vienne des stimulations de ses parents, de ses parrains-marraines, de ses catéchètes, de ses grands-parents, de ses chefs scouts, de ses enseignants, qui, d'une manière ou d'une autre, sont une figure d'éducation pour eux et qui sont autant de portes et de fenêtres pour que les enfants s'ouvrent à plus grand qu'eux-mêmes, pour que l'horizon de ces enfants puisse enfin s'élargir, pour que l'espace de leur tente puisse être agrandi. Le royaume de Dieu est pour tous ceux qui n'ont pas fait le choix de scléroser leur existence, tous ceux qui restent ouverts à de nouveaux savoirs, à de nouvelles connaissances, ceux qui restent disponibles à autre chose que leur seul nombril, attentifs à une autre parole, à une autre pensée que la leur. Jésus nous exhorte aussi à ne pas nous construire nous-mêmes un royaume de Dieu sur mesure, car il serait beaucoup trop petit par rapport à ce qui est possible. Il nous invite aussi à ne pas forcer le passage vers ce que nous pensons être le paradis, ou à ne pas l'obstruer, mais à accueillir ce que Dieu nous offre, en termes de situation de vie, en termes de dons personnels, en termes de personnes dont nous croisons la route, en termes d'actions possibles, en termes d'engagement. Il y a des trop-pleins de nous-mêmes qui nous empêchent parfois de vivre. Et Jésus nous recommande, comme quand c'est le cas, de retrouver alors l'esprit d'enfance qui sommeille en nous. Cela pour retrouver l'audace dont les enfants sont capables, cette audace qui nous permet de prendre de nouveaux chemins, d'emprunter de nouvelles voies. Et c'est alors que le royaume de Dieu cesse d'être une chimère, mais qu'il devient le concret de notre existence. Amen.